Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir? Et qui veut savoir? Y a-t-il quelque chose à savoir? Vraiment? Parce que le savoir, c'est quoi? C'est des choses que tu apprends. Et où ça part, le savoir que tu as? Ça devient quelque chose, ça. C'est pas quelque chose que tu peux reprendre, puisque c'est le passé. Tu as su et ça s'est empilé dans une mémoire. Le savoir. Et après, tu sais. Tu dis je sais. Parce que celui qui se rappelle dit je sais. Parce que tu t'es rappelé. Mais qui est celui qui voit? Il y a celui qui sait, parce qu'il a appris, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, il a mémorisé, et il dit je sais. Celui-là, c'est l'entité que l'on se forge toute une vie pour devenir ce que l'on est là, maintenant. On est devenu tout ce que l'on a appris. Parce qu'on a dit, je sais. Donc celui qui sait, il réitère tout ce qu'il connaît. Il le met sur la table, il se fait valoir avec tout ça, parce qu'il est l'entité qui s'est forgé et qui a maintenant un caractère, un personnage, quelque chose qui peut être dit. Donc, ce besoin de savoir t'empêche de voir ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a, ça se joue là. Parce que ta tête sera accaparée par tout ce que tu as gardé. En fait, tu gardes ça. C'est gardé dans la mémoire. Tu le réitères, ça. Parce que c'est ce que ça fait, la mémoire. La mémoire, c'est tu emmagasines, tu répètes. Et même tu vas l'envoyer dans l'espoir, tout ce que tu répètes. Tu envoies ça dans le futur. Et qui est là pour savoir ça? Qui est là pour envoyer tout ça dans l'espoir, pour vivre ça? Qui est là? Juste pour réfléchir ensemble. Mais il n'y a personne. C'est juste la mémoire qui arrive, qui se fait avec ce qui se passe, et puis la mémoire, ben, c'est ce qu'elle fait, elle réitère ce qu'elle est, mais là, il y a quelque chose qui s'identifie avec ça. Mais ça n'a rien à voir avec une réalité. C'est une identification qui se passe avec ce qui est su. Parce que tu as appris à dire, je sais, je connais. Mais tu vois, toute cette activité-là, ça t'empêche de voir ce qu'il y a à voir. Et ce qu'il y a à voir, c'est ce qui se joue. C'est pas ce que tu vas apprendre, mais c'est ce qui se joue. Et ce qui se joue là, tu n'as pas besoin de le savoir. Tu as besoin juste d'être là et jouer avec tout ça. Parce que tu es ce qui se joue, pour de vrai. Mais tu n'es pas celui qui dit je sais parce que j'ai appris. Celui qui dit ça, eh ben, il n'y a personne. C'est une illusion. C'est une illusion
que tu te fais de ce que tu penses être. Tu n'es pas ça. Tu es celui qui voit. Et celui qui voit, il ne se fait pas d'opinion. Il ne dit pas c'est bien, c'est pas bien. Parce que il ne subit pas, il n'y a pas de personnage dedans. Il n'y a pas celui qui dit je sais. Et il n'y a pas celui qui va raconter ce qu'il connaît. Parce que ce que tu connais, ben, c'est quelque chose que tu répètes, ça. Ce que tu es, c'est un paquet de répétitions, tout simplement. Puisque tu t'es identifié à tout ça, à la mémoire, à tout ce que tu as appris. Et tu as dit, je sais. Tu es devenu celui qui sait. Tu es devenu celui qui s'est forgé avec toute l'histoire qu'il a gardée, qu'il a pris pour pouvoir réitérer. Mais il y a au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui se joue, qui ne vient pas de la mémoire, mais qui coule avant que la mémoire puisse être construite. Parce que la mémoire ne peut pas prendre ça, puisque c'est le vivant. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. C'est quelque chose de libre, libéré de ce que tu peux faire avec, c'est-à-dire un passé, un présent et un futur. En fait, ça, c'est ce qui coule dans l'instant où l'esprit est libéré de ce qu'il a appris pour être celui qui sait. En fait, il ne sait rien. Mais il se donne d'être celui qui sait. Mais il n'y a personne là. C'est une invention. C'est l'entité qui se place comme étant la mémoire. Et tu dis, je suis ça. Mais quand tu dis ça, tu n'es pas présent. Il n'y a rien là. Donc, tu es en train de t'illusionner. La seule chose qui se passe, c'est ce qui coule. Là, maintenant. Quand tu respires comme ça. Quand tu vois tout d'un coup l'oiseau te prend son envol et tu jouis de la joie qu'il y a de voir ça. Mais là, tu n'enregistres pas ça. Si tu l'enregistres, tu vas être celui qui sait. Et là, on est en train de dire, laisse la vie être sans que celui qui veut savoir intervienne. Laisse être. Sois là, présent à ce qui se joue. Cette présence et ce qui se joue, c'est la même chose. Donc, il n'y a rien à ramasser, rien à garder, puisque c'est tout le temps. Perpétuellement, ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. C'est un mouvement sans fin. Un mouvement de présence sans qu'il y ait le passé, sans qu'il y ait le futur. C'est la seule réalité qu'il y a. Mais tu vois, dans ce monde, il y a celui qui dit « je veux savoir, je veux comprendre ». Je veux savoir pourquoi c'est comme ça. Je veux savoir s'il y a un Dieu derrière tout ça. Je veux savoir. Je veux être celui qui sait. Parce que je ne veux pas être dans l'ignorance.
Parce que si je suis dans l'ignorance, je ne sais rien. Je suis rien. Est-ce que je veux être rien? Il veut être quelque chose, tu vois. Ce que tu veux, c'est être quelque chose. Mais tu es rien. Et celui qui veut être quelque chose, il est déjà, dès le départ, il est rien. Mais il veut devenir. Il veut progresser avec tout ce qu'il prend pour devenir. Donc il améliore son statut, son image, avec tout ce qu'il a pris. Et c'est comme ça que se forge le personnage que nous appelons moi. Et on a donné beaucoup d'importance à ça. C'est pour ça que ce moi prend toute la place dans nos sociétés. Mais ce qui coule, ce qui est là présent, cette beauté de la vie, cette joie d'être là, à jouir de cet instant qui coule, n'y est pas. Tout ce qu'il y a, c'est de la répétition. Et nous nous sentons rassurés. C'est-à-dire celui qui dit « je suis là, je sais », eh bien celui-là, il va faire tout pour pouvoir exister encore demain. Donc demain aura beaucoup d'importance. Le temps pour lui, c'est quelque chose dans lequel il fait toute sa vie. Il existe dans le temps. Il existe de manière illusoire, puisque ça n'existe pas ce qu'il y a là. C'est juste une mémoire. La mémoire, c'est quelque chose qui est du vent, qui n'a rien à voir avec ce que tu peux vivre. Ce que tu es, c'est vivant. Le vivant. Est-ce que tu réalises que ce que tu es, c'est vivant? Ce que tu es, ça n'est pas quelque chose qui se répète. C'est vivant. Et le vivant, d'instant en instant, tu es dans le mouvement de ce qui se joue. Tout se passe là, avec beaucoup de charme, beaucoup de vivacité, puisque c'est vivant. La vie rend vivant tout ce qui se passe. Et ce qui se passe, le personnage que tu t'es construit, il va s'identifier avec ce qui se passe. Il va dire ça c'est bien, oh ça c'est pas bien. Ce sont des choses qui passent. Ça c'est pas toi. Mais si tu t'identifies avec ça, tu vas subir ce qui arrive, parce que tu es identifié à ce qui change. Le changement. Le changement de tout ça. Constamment, c'est en train de changer, parce que c'est éphémère. Ça ne dure pas. Et si tu es identifié avec ça, tu vas souffrir. Parce que soit tu ne le veux pas, soit tu le veux et tu ne peux pas le garder. Et donc quand tu le gardes trop longtemps, eh ben il meurt et donc tu veux les récupérer. Et en fait, tu souffres. Tu souffres de ne pas exister. C'est une souffrance. Nous nous sommes identifiés à la mémoire. Je suis ce que je sais. Et ça, ce personnage que tu te donnes d'être, n'est pas vrai. C'est un faux soi que tu te donnes d'être pour exister. Et tu es dans l'illusion de ça, parce que tu y crois. Mon histoire, ma famille,
mon pays, je suis américain, je suis chinois, je suis réunionnais, je suis tout ça. Tu t'identifies à ça. Mais c'est de la mémoire. Tu as appris que c'était comme ça et tu dis, ah, je suis ça. Donc tu t'identifies à ce qui se passe. Mais la vie, le vivant, ça ne passe pas. Le vivant, il est là. Il est là. À chaque instant. Il est éternellement là, puisqu'il est vivant. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est vivant, il est là. Donc comment ne pas s'identifier? Comment laisser le passé être sans que tu puisses t'encombrer avec le passé? Ne pas te faire d'image. Parce que c'est ça qui fait que nous souffrons, c'est que nous voulons exister parce que la souffrance, c'est de ne rien être pour ce personnage qui s'est identifié. Donc, qui est celui qui souffre? Est-ce que c'est toi? Ce que tu es ne peut pas souffrir. Parce qu'il ne fait pas partie de tout ça. Il ne subit pas ça, il n'est pas identifié à ça. Il est déconnecté de tout ça. Parce que tu es le vivant. Tu es celui qui, d'instant en instant, découvre ce qu'il y a de nouveau. Tu ne restes jamais avec ce qui est vieux, parce que tu es vivant. Tu sais, un enfant, quand il grandit, il ne repart pas à l'âge, quand il était tout bébé, il ne pouvait pas marcher. Non, il est vivant, le vivant. Ça ne peut pas revenir en arrière. Il est vivant et à chaque instant, il y a quelque chose de neuf. Et c'est ça que tu es. Tu ne peux pas revenir dessus. Parce que ce serait te mettre dans l'embarras, te mettre la pression pour dire que ce que j'étais hier, j'aime encore, je voudrais le garder. Tu ne peux pas faire ça. Ce qui est passé. Et accepter toutes les choses qui se meuvent, le vivant, il a toute sa panoplie de choses qui se jouent là, il bourgeonne, il fleurit, il retombe, il recommence, et c'est éternel. C'est ça que tu es. Et tu dois être libre pour être ça. Libre de ce personnage qui veut te garder dans le hier, qui veut répéter encore tout ce qu'il connaît. Parce que c'est la seule chose qu'il connaît. Il connaît que répéter, répéter, répéter. L'habitude est le train-train. Mais quand tu fais ça, tu es vraiment dans une vie monotone. Parce que tu t'es identifié à ça, c'est-à-dire à son passé. Le passé qui se répète tout le temps de la même manière, ben la vie, elle est monotone. Alors que ce que tu es, c'est vivant, vivant, là, 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 là. Tu vois, le monde peut s'écrouler, mais ce que tu es là, ça ne peut pas s'effondrer, parce que c'est vivant. Et le monde s'écroule, parce que le monde est basé sur le temps. Et tout le monde veut répéter, mais ce que tu es là ne peut pas s'effondrer. Parce que lui, ce vivant, cette présence qui est là, elle est à jamais là. Elle n'a jamais disparu. Elle n'a jamais eu de commencement.
Elle ne connaît pas c'est quoi le temps, parce que elle est tout le temps vivant, le vivant. Et la vie, c'est le vivant. Et ce que tu es, c'est le vivant. Quand tu laisses le vivant te traverser, être là, présent, avec ce qui est vivant, alors tu bouscules tout ce qui est dans l'habitude et les trains-trains. Tu ne seras jamais plus le même. Tu n'auras pas ces idées de répétition, de remords, du passé que tu voulais garder, ces nostalgies, tu n'as plus. Parce que tout ça, c'est du vent. Tu en es libre. Tu te libères de tout un monde que tu t'es donné d'avoir parce que tu crois que c'était ça qui est bien et tu t'es identifié à ça. Donc ton passé est devenu très important. Tu le rumines tout le temps, tu le rumines. Et après, tu envoies tout ça dans l'espoir et tu te demandes, mais quand est-ce que ça veut venir? Donc tu es tout le temps dans l'attente que quelque chose va t'égayer. Puisque tu rumines, tu répètes et tu cherches quelque chose qui va t'égayer. Tu sais qu'il n'y aura rien qui viendra dans ce sens-là. Tout ça, ça restera toujours la mémoire qui se répète. Le connu que tu connais, tu vas le répéter. Alors que ce que tu es, c'est quelque chose de vivant. Tu vois, quand tu as vu ça, quand tu as compris ça, toute cette vie que tu as, peu importe qu'est-ce qui lui arrive à cette vie, tu ne donnes pas d'importance à tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive, arrive. C'est des causes à effet qui se sont produites parce qu'on a fait des choses, donc les choses se réitèrent parce qu'il y a eu un échange, une interaction. Et l'interaction fait toujours plus d'interactions. Ça, ce sont des choses qui se passent. Mais si tu es ça, tu t'identifies à ça, ben, tu vas souffrir. Parce que tu vas toujours être dans un manque, une insatisfaction. Puisque tout s'écroule à chaque instant. Il n'y a rien à prendre, rien à garder là-dedans. Mais seulement être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est le vivant. Et le vivant, lui, il est cette présence qui est là et qui englobe le tout. Parce que toi, tu t'es identifié à des petites choses de tout ça. Mais la présence, elle voit tout. Elle englobe tout. Parce que tout n'est pas séparé. Il n'y a rien qui est séparé parce que tout est vivant. Mais quand le vivant se fait, ben toi, tu t'en rappelles. C'est ça le problème. Et tu veux le garder parce que c'était beau. Tu dis, oh la joie que j'ai eue quand j'ai fait l'amour avec toi. Oh c'était beau, je veux encore demain. Mais elle a mal à la tête. Donc tu es triste, tu ne peux plus avoir la joie que tu as eue hier. Tout s'effondre. Tout est... Tout est... illusion, il n'y a rien qui est vrai. Donc, si tu donnes de l'importance à tout ça, ben, ce personnage qui s'est identifié à tout ça, il va souffrir. Et lui, ce personnage, il veut continuer comme ça. Pourquoi? Parce que lui, c'est comme ça qu'il existe. Et il veut continuer à exister comme ça. Son existence, c'est de créer la division. La division entre ce qui est vivant et ce qui est passé. Donc tu es toujours en train de faire en sorte que ce vivant
ne viennent pas te déranger. Tu te fais une zone de confort où rien ne vient te déranger. C'est pour ça que tu te sens menacé dans ton monde. Nous vivons dans un monde où tout le monde se sent menacé. Il y a de la méfiance, il y a la peur là, que quelqu'un vienne déranger. Que quelqu'un vienne mettre le doigt dans ton œil. Parce que toute cette zone de confort que tu as fait là, c'est comme la prunelle de ton œil. C'est fragile, c'est sensible. Et tu ne veux pas que personne vienne là-dedans. Parce que tout ça, c'est très fragile. Ça se casse. Et tu es toujours en train d'essayer de la protéger. Comme tu le fais avec la prunelle de ton œil. Tu te protèges. Tu te protèges de la vie, de ce qui est vivant. Parce que tu es identifié à ce qui est passé, au temps. Et le temps, tu lui as donné beaucoup, beaucoup d'importance, puisque tu t'es identifié à ça. Donc tu veux que le temps existe encore. Donc tu aimes bien demain. Mais la présence, le vivant, n'a rien à voir avec tout ça. Il n'y a pas de demain. Il est là, tout le temps. En fait, il est libéré du temps. Il n'est pas celui qui va s'enticher à revenir sur ce qui a été fait. C'est du vivant, c'est le sacré. Personne ne peut capturer ça, ce sacré-là, c'est trop vivant. Et celui qui pense pouvoir le faire, il va dire « je sais ». Je sais rien. C'est pas grave. Et heureusement qu'on sait rien. Parce que autrement, si tu penses savoir, alors tu seras embrouillé avec plein de petites choses que tu t'es donné de savoir et tu serais jamais, jamais comblé avec tout ce que tu as appris. Tu seras toujours dans l'insatisfaction. Voilà comment nous vivons nos vies, dans l'insatisfaction, parce que nous sommes toujours, toujours, toujours ignorants de ce qui est vivant. Pourtant, ce qui est vivant, c'est ce que tu es. C'est la vie que tu as. C'est ce que tu es là. Et il n'y a rien d'autre qui existe. Tout le reste, c'est de l'illusion. Comment faire une vie avec de l'illusion? Tu es tout le temps dans la peur. Parce que ce que tu crois être réel, ça s'en va. Ça t'échappe. Parce qu'il n'y a rien de vrai. Rien. Mais si tu penses que c'est vrai, et quand ça t'échappera, tu vas souffrir. Alors on dit, laisse tomber. Laisse tomber toutes ces histoires, tout ce à quoi tu donnes de l'importance. Parce que de toute façon, ça va mourir. Tu ne peux rien garder. Tu ne peux rien prendre pour dire que c'est à moi. Moi, il n'a que du vent. Moi n'ai rien. Il n'existe pas. Ce que tu es existe. Le vivant.